Alors attendez, je vais juste vous montrer du coup les persos que l'on aura pour ce soir. Oui, vous entendez. Ok, nice. Ah, oups, désolé, avec la Japan Expo, j'ai grave perdu en audition. C'est vrai, Alpaga? Donc, du coup, je vous présente Mike. Prénom très American. Donc, Mike, du coup, donc il a une tenue assez basique. J'avoue que j'ai pas fait de tenue ranch. J'en ai fait une, je crois, après. Ben non. Je lui ai pas fait de tenue ranch. Attendez, on va lui mettre un pantalon ranch. Qu'est-ce qu'on a comme pantalon? Oh, le BG. Et t'as vu un peu? Est-ce que je lui mets le pantalon vraiment en mode ranch? Ou sinon, il y a ça, mais c'est dommage, on voit pas la ceinture. Oui, nos stands étaient vraiment proches des grandes scènes, on avait les basses à fond. Ah, mais tu m'étonnes. C'est horrible ça, horrible. Oh, mais là, ça va pas du coup. Attendez, faut que je lui change de t-shirt. Est-ce qu'on a un t-shirt sympa à mettre? Let's go. Et en vrai, ça pourrait être pas mal de mettre ça avec un jean. Sinon. Ah, sinon, comme ça. Je pense que c'est pas mal. Aussi les chaussures et le haut. Oui, du coup, c'est ça. Après, les chaussures, ouais, j'avoue que là, il a des petits... Alors, attendez, on va voir ce qu'il y a. Pack ranch, toujours, ça ne change pas. On le laisse comme ça? Oh, du love. Dans l'édition de 20h, en ce mardi, la canicule qui fait monter la Méditerranée. Oh, attends, un niveau record de 28 degrés. Mais là, en tout cas, ça a fait du bien, il faisait vraiment plus frais aujourd'hui. Devant être terminé à la fin de l'année, qu'ils prennent du retard. Le super BG, bon bah allez, on laisse comme ça. Après, bon bah, tenue, voilà, sport, nuit, fête, maillot de bain, chaud et temps froid. J'aime trop ce haut, je crois que ce haut, il est avec le pack... Oh bah zut, j'ai plus le nom. Mais voilà, coucou Sophia, comment ça va? Tu vas bien? Oui, ça va très bien, et toi? Et t'inquiète pas, t'es pas en retard. On a le temps. Ça devient de plus en plus dur de faire une revue de presse courte. Mais par contre, Harry, dans ta revue de presse, t'as oublié de noter que... En France, il y avait eu des tornades hier soir, et puis alors, quelle horreur, quoi. Du coup, tout à l'heure, j'ai vu plein de vidéos de tornades. J'espère en tout cas que si vous êtes dans les zones où il a fait vraiment très mauvais, j'espère que ça va pour vous. Oui, merci, bon, tant mieux. Oh, trop bien, attachante. Mais c'est vite passé, du coup. Hein. C'est vite passé. Bon, allez, j'ai ouvert le jeu également, à voir où j'en suis. Let's go. Et Clem aussi, qui du coup se languit de rentrer pour jouer. Bon, au moins, je suis contente. On est plusieurs à jouer, c'est cool. Monsieur BG. Et du coup, nous avons Sacha. Bon, après, Sacha, j'ai pas trop de noms américains à lui donner. Mais du coup, voilà sa tenue de tous les jours. Donc, Sacha, qui, elle, s'occupera peut-être plus des chevaux. Après, alors Sacha, elle aime bien le rose. J'avoue, le maquillage, ça ira bien. Ça fait 3 mois, je crois, Minette. Enfin, que j'avais arrêté de jouer en live. Hors live, je continuais toujours à jouer. J'ai été réveillée à 1h du matin cette nuit à cause du déluge et du vent, mais pas de tornade. Oh, Alpaga, mais j'espère que t'as pas trop eu peur. En tout cas, c'est terrifiant, je trouve, quand on se réveille comme ça. Moi, j'ai joué à Story of Season. Tu vas jouer au nouveau? Je pense pas, Léa. Je pense le prendre, mais je jouerai certainement hors live. Ou alors, si je le fais plus tard, peut-être que je le ferai en live. 2 mois et 17 jours, merci Jean-Loup. Et c'est précis, hein, vous avez vu. Elle est trop mignonne, merci. J'ai juste hâte de voir mon emploi du temps pour me caler mes heures de boulot. Il va pas être évident. Pour la semaine prochaine, du coup, attachante. Coucou Sarah! D'habitude, je suis là sur RCNH, mais première fois sur les Sims. Du coup, je viens à l'instant de télécharger le jeu. Let's go! Mais moi aussi, Sarah, j'y ai passé tellement d'heures sur les Sims quand j'étais jeune. Enfin, jeune, ado. Donc voilà, Sacha, je lui ai fait des styles un peu différents. Mais voilà, Sacha, elle est un peu fan de mode. Elle fait très attention à elle. Et puis voilà, quoi. C'est vrai, Louisiane? Mais comment ça se fait? Et coucou Ilio du coup, comment ça va? Quand j'étais jeune, non mais c'est ça, quand j'étais belle et jeune, tu sais comme disent les, les mamans.
On a eu pas mal de vent et de pluie aujourd'hui, mais ça allait, on a du soleil là. Bon, ça va, Clem, heureusement. Donc du coup, voilà. Par contre, est-ce que vous avez un meilleur nom que Sacha pour la Sims? Parce que j'ai pas eu d'idée. T'es toujours jeune, ouais, c'est vrai, c'est vrai. De toute façon, la jeunesse, c'est dans la tête, hein. Mais ça va bien, merci, Ulio. Obligé de tout recommencer. Mais comment ça se fait que t'as perdu toutes tes sauvegardes, Louisiane? Je suis dégoûtée pour toi. T'avais commencé des challenges ou pas? Tu vas faire un live demain Animal Crossing? J'aime trop le perso. Alors, live Animal Crossing, jeudi à 15h. Et merci du coup pour le petit compliment du perso. Nicolette, Nicole, Marjorie, d'accord. On dirait une femme de 70 ans. Non mais c'est ça, Justine, c'est ça. J'avais pas ouvert le jeu depuis 8 mois, je ne sais pas pourquoi je les ai perdus. Je suis dégoûtée pour toi. Ça m'était arrivé, Louisiane, un coup j'ai lancé le jeu et en fait j'avais plus rien. Mais plus rien du tout. Et j'avais ni mes packs, ni mes parties, et en fait c'était simplement un bug. Et du coup, ouais. Anna. Un truc un peu plus américain. Ah, Colline, c'est pas mal, Colline. Mike et Colline. Colline, je trouve que c'est pas mal. Sacha, je trouve ça mignon. Ah, Candice. Lindsay. Ah, Lindsay, ouais, c'est pas mal. Lindsay Collins. Ah ouais, Lindsay. Et Candice, ça me fait penser à la série You. J'espère que j'aime pas Lindsay. Ah. Ou alors on laisse Sacha, hein. C'est vrai que Sacha, ça fait quand même prénom américain, quoi. J'avais les filles qui bullient les autres au lycée. J'aime pas ce prénom. Bon. On met Sacha alors? Par contre, je l'avais écrit avec un S. Sacha, comme ça. Merci Nadoudou pour le lurk, c'est trop gentil. J'espère que ton petit week-end s'est bien passé en tout cas. Sacha, j'aime bien. Bon, bah allez, let's go. Elle en laisse ça. Donc, du coup, je vous présente Mike et Sacha. Par contre, on va leur ajouter un cheval. Je ne l'ai pas fait, mais du coup, j'attendais de le faire avec vous. Tadam! Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un générateur de. Alors, je sais pas exactement. J'ai vu ça, c'est Nefert qui l'a partagé sur Twitter. Attendez, où est-ce que je l'ai mis le lien? En gros, ça génère le nom de ton cheval et ton cheval. Attendez, je vais le faire au pire, comme ça je vous montre directement en live. Hop. Tac. Alors attendez, faut mettre ça là. Beaucoup de manip à faire là. Tac, tac. Voilà. Et en gros, du coup, si vous faites ça, ça vous génère un cheval. Donc moi, c'est Fusion Céleste et il ressemblera à ça. Voilà. Attendez, je vous mets le lien ici si vous voulez le faire de votre côté. Voilà. Ce soir, je vais me faire une licorne. Enfin, dans les Sims. Je me doute, Clem. Mais j'ai pas encore testé, du coup. Le jeu est gratuit pour toutes les... mais toutes les extensions sont payantes. Oui, c'est ça, Sarah. Et après, je t'avoue que jouer sans extension, c'est assez compliqué. Enfin, t'as moins d'objets déco, quoi. T'as beaucoup moins de choses, moins de contenu. Mais bon, après, petit à petit, tu vois, si à chaque fois tu achètes un pack... Je vous conseille de le faire sur Instant Gaming, ils sont vraiment, ça vaut vraiment le coup. Et petit à petit, après, on arrive à avoir un jeu plus ou moins complet, mais c'est vrai que ça coûte très vite cher, quoi. Alors, je vais essayer de faire un cheval qui ressemble à celui que j'ai eu généré. Dimanche, je vais faire une lounge MK et puis il y avait un français dans mon lounge. Ensuite, on s'est MP pour se dire GG. Et on parle depuis dimanche. Oh, c'est vrai, on se sépare plus. Ça y est, vous vous êtes trouvés, Ulio. Oh, cool. Ça fait trop plaisir. Du coup, vous allez faire le tournoi de Ponce, là, ce week-end. Attendez, comment il est sur la photo? J'aimerais avoir le jeu Sims 4, mais j'y arrive pas. Tu l'as téléchargé sur quoi, du coup, Sophia? Alors, attendez, parce que moi, il n'est pas comme ça. Alors, forme de la tête, on peut garder ça. Les yeux aussi. Ah oui, corne, regardez. J'avais pas vu qu'on pouvait faire ça. Ben voilà, Clem. Ça me génère un cheval multicolore. Clem, je veux voir ce cheval multicolore. Je peux le voir. Ah ouais, la petite fille. Ouais, bon, après, ça fait pas trop cheval. On va essayer de faire un cheval qui ressemble à un cheval.
Son pelage, là, il est... Comment on fait? Parce que, alors, celui qui a été généré, du coup, il a une... Il n'a pas vraiment de pelage, mais il a un trait ici. Speed, Clay et toi, de quoi? Alors, attendez, parce que du coup, là... Je suis perdue, par contre. Mode peinture. Ah, voilà, mode peinture. Alors déjà, il faut que je lui fasse un cœur. Là, il y a des tampons. Il faut que je lui fasse un cœur ici. Comment je fais pour l'agrandir? Le pinceau. Oups! Attendez, je lui fais plein de petits cœurs, c'est pas ça. Taille du pinceau. Oh là, c'est trop gros. Un vrai cheval, pas un truc féerique. Ouais, c'est ça, c'est ça. On va essayer. Blanc. C'est très... très girly. Ouais, en vrai, tu verras, Elio. Et Didi? Pourquoi Didi, Clem? Alors, attendez, là, on a ça. Précédent. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est lui ajouter... Alors ça, ce sont ses tenues. Regardez ça. Je vais lui mettre un petit nœud papillon. Regardez comme il est si beau avec son petit nœud papillon. Par contre, je peux pas choisir la couleur du nœud en bas. Je suis déçue. Bon, après, c'est pas bien grave, mais... On a dit Far West, mais pas Disney, c'est ça. C'est payant de s'abonner. Alors sur Twitch, tu parles Minette? Oh, bah Napulio, à tout à l'heure. Merci pour le lurk. Oh, coucou Kendo! Le pack te plaît. Écoute, je l'ai découvert un petit peu de mon côté. Et pour l'instant, je suis très très fan du pack. Sauf que là, je galère pour du coup faire un pelage sur le front. Je ne sais pas comment on fait. Mais au pire, tant pis, on le laissera comme ça, hein, parce que. On a plusieurs revêtements. Oh, il est trop mims comme ça. Alors oui, sur Twitch, c'est payant, Minette. Sur Twitch, donc c'est... Ah, voilà, parfait. Sur Twitch, donc c'est payant, mais ça vous donne accès du coup à des emotes que vous pouvez utiliser de partout sur Twitch. Et puis, on va dire que ça, bah, ça soutient en fait les streamers. Hein. Mais oui, c'est payant. Et comment ça va du coup, Kendo? Donc là c'est parfait et ensuite bon normalement il est un peu plus foncé mais je l'aime bien de cette couleur. Ensuite il faut qu'on lui mette du coup une tenue. Alors la selle que j'ai sur la photo c'est une selle qui est marron derrière et clair devant. Donc ça doit pas être celle-ci, je crois que c'est celle-là. Ah voilà c'est ça. Elle est marron derrière et clair devant. Eh ben parfait, par contre devant ça va pas ça. Et devant si je mets tout blanc. Enfin, tout beige. Voilà, ben regardez. Je pense qu'en vrai, on a exactement le même. Donc là, c'est le Sims, enfin le cheval généré. Et là, c'est celui qu'on a. Et pas mal. Je me suis bien débrouillée, non? Tu sais où on peut télécharger les Sims 4? Alors, Sophia, tu peux les télécharger via EA, normalement. Si tu es sur PC, hein. Trop cute. J'ai essayé de faire au mieux. Dans le chat. Oui, je te vois, Alpaga. J'ai vu que tu avais changé la couleur. Il est super beau, le bleu que t'as mis. J'aime bien, c'est un bleu tout doux. Le taf est enfin fini. Je vais pouvoir me reposer. Ah, trop bien. Et du coup, tout s'est bien passé au travail, Kendo? Ça te correspond bien, ouais. Et j'aime bien, j'aime bien. Bon, ben, on garde cette couleur alors. Ça m'a éclaboussé. Et du coup, on a dit qu'il fallait qu'il s'appelle Passion Céleste, je crois. Non, Fusion Céleste. Franchement, vous n'avez pas mieux comme nom de cheval à me proposer. Je prononce parce que... figurez-vous que dans ma partie Sims, je l'ai appelé Jolly Jumper. Dans notre partie. Coucou Anto, comment ça va? Jolly Jumper, eh ben voilà, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Oh, vous êtes plusieurs à mettre Jolly Jumper. J'aimerais bien jouer au jeu de base, mais peur de ne pas aimer. Ben, en fait, Anto, c'est ce que je disais, c'est que les Sims en soi, c'est trop bien. Mais quand on n'a pas d'extension, je trouve que c'est vraiment dommage parce que tu n'as pas. Il bah, y a plein de let's play que tu n'as pas, des items que tu n'as pas non plus. Spirit. Ah oui, Spirit, ça pourrait être pas mal. Je chiale du sang tellement je suis claquée. J'ai hâte de savoir tout ça, Kendo. Spirit. Ah, petit tonnerre. Qui vote pour petit tonnerre? Moi, je vote. Comment je aussi, c'est beau. Petit tonnerre, en vrai, c'est pas mal.
Pile poil, ref à Toy Story. Hein? Alors, je vous propose Petit Tonnerre ou Pile poil, ref à Toy Story. Petit Tonnerre, d'accord. Espérance. Ça fait. Let's go! On veut de la hype dans ce chat! Améthyste, c'est joli aussi. Spirit. Au pire, on peut l'appeler Spirit. Non, j'ai marqué Sprite. Je me disais, il manque un. Donc, Spirit. Spirit. Et son nom de famille, pile poil. C'est comme ça, on fait un mix. Ablette. C'est ref à quoi ça, Clem? Pile poil. C'est horrible comme nom de cheval. Ah, bah merci Harry pour le sondage. Everest, j'aime bien. C'est joli, Everest, même Espérance tout à l'heure. J'aime bien, mais là je me dis, tu vois, comme on est vraiment sur une famille en mode Far West, enfin américaine du coup. Je fais des raccourcis, c'est terrible. Ablette. Mais Ablette, c'est dans quoi, The Witcher? Arizona, c'est pas mal aussi. Arizona. Pour l'instant, vous votez pile poil. Eh, vous êtes nombreux à mettre pile poil, j'en reviens pas. Mais il devrait être noir, parce que du coup, Ablette est noir, j'ai pas la ref, Alpaga. Donc pour l'instant, c'est pile poil qui est en tête, qui va peut-être être dépassé par Espérance, mais c'est pas sûr. Carter. Carter, ça fait bien d'américain, je trouve. Et merci Cannibal pour le follow, bienvenue à toi, comment ça va? Bon, ben, je pense que ce sera pile poil, hein. Écoutez. Au pire, on va l'appeler pile et le nom de famille poil. Non, il n'y a pas de E. Non, je suis pas sur la même. Ouais, mais c'est moche après quand ils vont marquer aube dorée. En fait, il y a plein de noms super beaux, quoi. Pile poil et on va l'appeler Arizona. Voilà, ça m'a inspiré. On peut choisir le sexe? Bonne question. Oui, attends. J'ai pas fait gaffe. Oui, on peut choisir le sexe. On peut choisir son caractère aussi. Si vous avez 1000 points de chaîne à jeter, let's go. Ouais, on aurait pu mettre un poulain. Alors par contre, j'aurais bien aimé avoir deux chevaux, mais le hic, c'est que le terrain est trop petit. C'est le cheval de Gérald de Rive. Il s'appelle Ablette et quand il meurt, et ben son cheval... d'après, s'appelle Ablette aussi, série et livre The Witcher, ok. Bon, bah du coup, écoutez, c'est pile poil. Donc, pile poil, on va dire que c'est... un cheval indépendant, qui sera à la fois doux et dynamique. Ah mince, je peux pas mettre dynamique. Ah oui, on peut pas, alors on va quand même mettre dynamique et amical. À partir de maintenant, Sushi. Portera le nom de frère. Écoute, cher, le jeu de base. Alors, non, Sushi. Le jeu de base est gratuit. Bienvenue, depuis. Sushi. Bon, on arrête les sushis, ça va. Le jeu de base est gratuit depuis. Je sais plus d'ailleurs quand est-ce qu'ils l'ont passé gratuit. Mais par contre, c'est les extensions qui sont payantes. Eh ben, Alpaga, si on a un poulain, je l'appellerai Sushi Junior, ok? Je lève la main droite et je le jure. T'as pas laissé Spirit et nom de famille pile poil? Non, parce que du coup, le sondage, c'est pile poil. Donc, go pile poil. Puis, bah écoutez, on est parti. On est parti. Promis, Alpaga, promis. Donc, du coup, frère et sœur et le cheval. C'est parti. Let's go. On va découvrir tout ça. Je trouve que c'est très difficile de trouver des noms dans les Sims à chaque fois. J'avais pas vu le noble destrier. Bon, okay, let's go. Spirit, j'aurais trop l'impression que tu appelles le mien. Tu l'as appelé Spirit, du coup, Clem? Par contre, faut que je vous monte le son parce que... Ah non, bah c'est bon. Ok, le son est bon. Par contre, c'est la musique. Hop. Oh, coucou Shaima, comment ça va? Donc, je vais vous faire visiter notre humble demeure. Donc, j'ai pas rénové le devant. Petite vidéo qui est sur YouTube, si jamais. Mais, du coup, voilà notre petite maison. Donc, ils ont chacun leur chambre. Donc, ça, ce sera la chambre
On va l'attribuer tout de suite. Attribuer. Attendez, hop. Le côté gauche à Sacha. Non, j'aurais dû faire autre chose, attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais carrément attribuer les chambres. Oh non, parce qu'après, ils pourront plus... ils pourront plus parler. Alors, bref, la chambre de Sacha. La chambre de Mike. Donc, si vous avez vu la vidéo, c'est la petite maison débarras, du coup. La petite chambre débarras, pardon. La noire, c'est sucre d'orge. Oh, j'adore le prénom, Clem. Oui, ça va, Shaima, merci beaucoup. Une maisonnette très toi. J'ai essayé de changer un peu de style en soi dans cette maison. Mais du coup, donc je leur ai fait une cuisine, alors, à la fois moderne, mais à la fois un peu très vite fait rustique, quoi. Le salon, je leur ai fait un salon très rudimentaire. J'ai vraiment essayé d'utiliser un maximum les objets du pack ranch, et quand je ne trouvais pas ce qu'il fallait, du coup, j'ajoutais d'autres items. Et du coup, ils ont une petite salle de bain à l'étage que j'ai oublié de peindre. Je viens de voir. Donc voilà leur petite salle de bain. Donc ils y accèdent via cette échelle. Et donc c'est pareil. Là par contre, c'est archi rudimentaire. Donc voilà. Coucou Animail ! Mais ça va très bien et toi ? Oui, les chevaux, let's go ! Je crois que c'était franchement le pack le plus attendu de la commu Sims, vraiment. Moi, je vous avoue que bon, c'est pas celui que j'attendais le plus, mais en tout cas, depuis que j'y joue, j'en suis très contente. Non, mais attendez, il y a une petite couverture. Oh. Ça me plaît pas ce que j'ai fait pour jouer. C'est pas pratique, Clem. Bon, mais let's go. On est parti. Vous me direz si vous entendez bien le son du jeu, tout ça, quoi. Mais en fait, Justine, les nourrissons étaient ultra attendus. Et en fait, quand ils sont arrivés, tout le monde en a eu marre parce qu'ils demandent tout le temps de l'attention. Et c'est surtout que les Sims adultes vont tout le temps s'occuper des nourrissons. Du coup, c'est un peu un enfer. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est un tapis de sel. Oui, je dis une couverture, mais c'est ça. Et je pensais pas lui avoir mis, en fait. C'est pour ça. Et bien, par contre, il faut que je fasse un truc absolument... C'est leur enlever de l'argent. Non, attends. Mais si, c'est bien ça. Fits. C'est pas celui-là, le code? Alors, attendez. Mais si, c'est ça. Ah non, il n'y a pas de S. Ah non, je crois que j'ai oublié le... Alors, attends. À chaque fois, je confonds. Fits. Enable. Bah non. Ah mince, comment je peux faire pour leur retirer de l'argent? Parce que du coup, les codes fonctionnent pas si je mets genre monnaie 1000. Ah si! Bon bah voilà. Parfait. Comme l'humain, modifier les tenues, tu les montes, tes tenues quotidiennes. Ah nice, bah je regarderai, merci Clem. Ouais ouais, c'est bon, monnaie ça a fonctionné. Mais c'est que normalement, avant, pour taper le monnaie, il fallait taper le testing sheets avant. Et du coup, bah voilà. Un espace clôturé pour le cheval. Eh ben c'est ça. Mais du coup, on va partir avec 1000$. Ou même peut-être moins, non? Est-ce qu'on les met un peu dans la galère? On essaye, non? On essaye peut-être... Allez, on va les faire partir avec 500$. Voilà. Bon, bah, let's go. Par contre, j'ai pas de machine à nectar, donc on va en acheter une de suite. Je crois que c'est dans... Où est-ce qu'elle est? J'aurais pas assez d'argent du coup. Alors ça c'est pour le cheval. La diabolique Mel est de retour, mais exactement. Coûte cher en entretien. Je sais pas Alpaga, je t'avoue que je sais pas du tout. Allez, la petite machine à nectar. Je pense qu'on va la mettre un peu au fond du jardin là-bas, à l'abri des regards. Et on va s'acheter un espace de stockage. Donc pour ceux qui découvrent la mage, moi je l'ai un peu découverte en amont. Mais donc dans ce pack, vous pouvez du coup fabriquer du nectar et ce nectar, vous pouvez le revendre. Alors je ne sais pas s'il y a un organisme à qui le revendre, mais en tout cas, voilà. Ouais. On va faire, c'est qu'on va faire... Ils sont dans quoi? Les caissons. Les caissons. Je sais pas écrire. Caissons.
Ah mais non. Comment il s'appelle déjà? Et le nectar est fabriqué avec les fruits. Enfin, fruits et... Bah pour l'instant, j'ai fait que fruits, alpaga. Petit poney, petit poney. En vrai, j'ai envie de me le prendre ce pack, mais je sais pas si j'ai la force, je vais pas en avoir marre, car j'ai peur que ce soit trop répétitif. Après, ce qui peut être cool, tu vois, avec ce pack, c'est que du coup, tu peux mixer, je sais pas, un challenge. Par exemple, bah, le 1 million avec ça. Et je trouve que ça peut être pas mal. Clem, comment est-ce qu'il s'appelle l'item? Pas trouvé comment vendre nectar encore. Ouais, donc je pense que le nectar, on doit le vendre via l'inventaire, à mon avis. Merci beaucoup, Shaima, pour le lurk, c'est gentil. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney. Quoi donc, le truc de. Pour stocker le nectar. Va aller dans le rangement, mais je l'ai pas trouvé là. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est casier. Alors, par contre, attendez. Je vais mettre 300$ de côté. Voilà, juste pour avoir un casier pour les nectars. Et le casier. On va le caler là. Alors, à savoir que le casier. À savoir que le. Que le casier va mieux en sous-sol. Du coup, vous pouvez faire vieillir plus facilement vos nectars. 1 million challenge. Mais oui, c'est ça, Harry, c'est ça. Ouais, bah déjà, si je. Enfin, tu vois, si j'arrive à faire un truc plus ou moins chouette pour que vous puissiez découvrir de votre côté, tu verras si ça te tente ou pas. Le stocker dans le sous-sol, ouais, c'est ça, Clem, exactement. Bon, par contre, il nous faut aussi de l'herbe de prairie. Attendez, bon, il y a plein de trucs qu'on n'a pas. Herbe de prairie. Alors, elle est où celle qui? On a ça. Ah oh, oui, on a un nouveau buisson du coup pour aller aux toilettes. Ça, c'est trop chouette. Et par contre, je ne sais pas où est le fleur sauvage. Je pense que les buissons du coup doivent être extérieurs ici. Bah non. Je l'ai dit avant que je finisse d'écrire. Je te devance. Je revends hyper cher, ça fait un bon stock en sous-sol, assure une belle fortune, mais c'est ça. Et c'est pour ça, Harry, je me dis, pourquoi pas mêler ce challenge avec, avec le 1 million, hein. Ah voilà, c'est ça, herbe de prairie. Donc cette petite herbe de prairie, on peut la faucher et du coup s'en servir plus tard pour faire du nectar. Je crois qu'on peut trouver. Enfin, je sais pas trop en réalité, j'ai pas trop testé, donc on va découvrir ça. Bon, déjà on va faire connaissance avec le cheval. La nouvelle compétence tempérament pile poil commence à interagir avec les Sims et les autres chevaux. Ok. J'avais pas trop fait attention en réalité. Obtenir un ragot sur l'écurie. Allez, attendez, on va papoter un peu avec. Alors, qu'est-ce qu'il est parti faire, lui? Ah, ok. Par contre, attendez, on va faire un truc éclairage automatique, tous les éclairages. Voilà. Et alors, j'ai une autre question à vous poser. Je sais que je vous bombarde de questions. Mais est-ce que ça vous tente qu'on ajoute un enfant dans cette maison? On peut dire que c'est l'enfant soit de Mike, soit de Sacha, qui sont frères et sœurs du coup. Non. Je me dis, ça ajoute un peu de piment, tu vois. Et voir un peu l'enfant, comment il se comporte avec le cheval. Ça pourrait être pas mal, non? En plus du cheval et toutes les dépenses. Bah oui. Oui, ça vous tente? Mais par contre, je ne sais pas où est-ce qu'il va pouvoir dormir, parce qu'alors... Là, faudrait que je déplace le lit, mais du coup, j'enlèverai ça. Je risque de vouloir tuer le futur beau-papa ou belle-maman. Attends, on n'est pas dans le Crazy Baby Challenge. Peut-être un peu plus tard. Ben, en fait, moi, ce que j'aime bien dans les Sims, je vous avoue que je suis pas fan des enfants. Mais ce que j'aime bien, c'est que du coup, ça ajoute un peu de difficulté à chaque fois parce que tu dois gérer leurs devoirs, tu dois les éduquer quand t'as le pack aide-parents. Ah, sondage, ben parfait, Harry, merci. À la crèche, les enfants. Oust! N'hésitez pas à voter au sondage et puis j'aviserai en fonction.
Allez, on va lui brosser le poil. Et par contre, on va essayer de remplir sa mangeoire. Ce serait pas mal, remplir la mangeoire. Yeah. Oh, à tout à l'heure, Clem, merci. Merci d'avoir été là. Ah, pour l'instant, c'est à la crèche, les enfants. Ok, vous n'en voulez pas. Bon. Alors, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller cuisiner. Pour midi, il va faire des raviolis chinois aux légumes. Allez, c'est parti. Pendant que Sacha, elle va remplir la mangeoire. Merci Jenny pour le lurk, c'est gentil. Ah, du coup, c'est... ouais, dommage Justine. Autant, on voit comment ça se passe et on ajoutera un enfant. Je vois que vous aimez pas les enfants, en tout cas, dans les Sims. Hein. C'est vraiment pas... c'est vraiment pas ce que vous préférez. Mais par contre, Sacha, j'aimerais bien que tu ailles faire monter. Aime les jeux vidéo. Non. On peut rentrer dans l'enclos. Oui, on peut. On peut, on peut. Alors attention. Donc sachez aussi qu'en plus de pouvoir rentrer dans l'enclos, du coup on a deux nouvelles compétences. Je crois que c'est équitation. Et la deuxième compétence, c'est... Ah ben là, on a équitation et on a une deuxième aussi. Oh, coucou Viftinaria, comment ça va? Allez, on va trotter ici. Voyons voir. C'est un Sims qui n'a pas l'air... qui n'a pas l'air en forme, je crois. Ah, la compétence endurance, du coup, pour le cheval. Bien, merci, bon. Et est-ce que tu joues au Sims, Viftinaria, d'ailleurs? Allez, on va faire un petit tour avec elle. Hop, trotter ici. J'ai vu également qu'on pouvait, du coup, prendre des cours de... Attendez, ça me tue. J'ai vu qu'on pouvait prendre des cours de... d'équitation. Donc ça, c'est trop cool. Comment elle se tient, non mais t'as vu. Ça, c'est moi sur un cheval, hein. Littéralement. Allez, on va rentrer à la maison. On va voir un peu ce qu'il fait, Mike. Non mais attendez, on est vraiment sur une famille. Le problème c'est que du coup là on peut rien faire, on n'a pas de... Faudrait que j'achète un potager pour fabriquer des graines. Ou alors attendez, on va acheter des pommes. Faire du nectar. Hop, allez, va fabriquer du nectar au lieu de jouer là. Oh des bisous Nin, merci d'être passé en tout cas, plein de gros bisous. J'ai téléchargé les sims, mais j'ai déjà commencé à faire le perso. J'ai pas accroché. C'est vrai, Viftinaria. T'avais jamais joué aux Sims avant? Alpaga. Descendre de pile poil. Ah, attendez, on pouvait faire quoi? Oh! Attends, quoi? Bah... bah, pile poil. Pourquoi tu nous fais ça? Par contre, est-ce que vous entendez bien le jeu? J'ai l'impression que vous entendez pas beaucoup. Et pourtant, c'est au max le son du jeu. Pas beaucoup. Ouais, j'ai l'impression aussi. Mais pourtant, on entend plus la musique. Ouais, mais du coup, je peux pas monter plus le son du jeu. Comment ça se fait? Et après, la musique, mais ça change rien. Ou à 100%. Ben, je sais pas. Le cheval est méchant. Non, c'est que pour l'instant, elle a pas débloqué la petite compétence. Le 4 sur PS5, d'accord. Ouais, mais du coup, t'as pas accroché, quoi. Vraiment pas. Discuter des centres d'intérêt. Allez, go discuter un peu avec le frère. Par contre, c'est quoi cette démarche-là? Ah oui, voilà, c'est la compétence fabrication, mais du coup qu'on peut avoir avec le nectar, voilà. Lui, il est en train de vivre sa meilleure vie, là. J'aime trop l'animation, par contre. Vraiment, je suis trop fan de ce pack. J'aime trop. Il va en profiter, c'est normal. T'as déjà fait du cheval, Alpaga, d'ailleurs? Par contre, attendez, il faut que je fasse un truc. C'est qu'il faut que je verrouille...
Si on a un animal pour pile poil, parce que sinon il va passer son temps à rentrer dans la maison. On fabrique un nectar du coup, Harry. Donc là on est en train de fabriquer un nectar de pommes. Miam miam miam, le bon nectar de pommes au pied de Mike. Excellent. Du coup, hop, on va attendre qu'il termine pour aller à table. J'ai fait l'équitation de mes 3 à mes 15 ans et de la voltige de mes 9 à 15 ans. C'est vrai, Alpaga ? Incroyable ! Et du coup, est-ce que tu penses le prendre, ce pack, ou pas ? Désarçonné par un cheval. Ok, elle est embarrassée. Je vais aller à table. J'avoue, je suis tentée, bah ouais. Oh, merci, Vivkinaria, c'est gentil, merci beaucoup. Bonne soirée. C'est plutôt comme ça qu'on fait du vin IRL, mais let's go faire le nectar. Let's go. Oh, il est long à faire le nectar, là. Ok. Mike vient d'acquérir sa première bouteille de nectar de pomme. Ok. Bah, du coup, sa bouteille de nectar, on va la mettre dans le casier. Et on va attendre. Besoin d'aide pour le prénom de mon nouveau personnage féminin. Tu cherches quoi comme type de prénom, Louisiane ? Oh ouais, t'as raison, Alpaga. T'avais pas vu. Se plaindre de la discuter de l'embarras. Oh, attendez, bon. J'ai mis ma souris au mauvais endroit. Mais ouais, la classe arrive carrément. Par contre, ça m'embête que vous entendiez pas le son du jeu. Peu importe, besoin d'inspiration. Alors, en prénom, j'aime bien Charlotte, Aurore. Il y en a plein en vrai. Je pense que ça dépend vraiment de ce que t'aimes bien. Allez, go nettoyer. Oui, il va ranger ça. Par contre, tu vas nettoyer ton assiette aussi, s'il te plaît. Merci. Ah, mais c'est sa sœur. Mais non, c'est sa sœur, Harry. Oui, oui, ils sont frères et sœurs, tous les deux. En gros, on peut imaginer qu'elle, c'est sa maison, et lui est venu squatter. C'est pour ça qu'il se retrouve dans cette chambre envahie de plein de trucs. C'est sa sœur, mais oui. Va pour Charlotte. J'adore Charlotte, c'est un trop beau prénom, je trouve. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'en plus du travail au ranch, elle va essayer de se trouver un travail. Trouver un emploi. De rien. C'est dur, je trouve, de nommer les Sims, en vrai, compliqué d'avoir de l'inspire. Oh, par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas de... C'est qu'on n'a pas de carrière avec... Je vais essayer de lui prendre un boulot à mi-temps. Mais là, du coup, les boulots à mi-temps... Ah, il y a ça, elle peut être maître nageuse au pire. Oh, ça marche. À tout à l'heure, Justine. Myrtille. Oh, Myrtille, ça me fait penser à ACNH, Harry. Ah, ou tondeuse de pelouse. 45 euros de l'heure. Plongeuse, pêcheuse... Mais bah attendez, je vais la faire être tondeuse de pelouse. Hein. Go. Allez, go faire ça. Ouais, mais du coup, après, ça va être galère pour... Bon, après, ça va, elle va pas travailler beaucoup, du coup. Elle travaille que le samedi et le dimanche. Mais au moins, ça fera toujours un peu d'argent en plus. Donc elle est proche de sa famille, séduisante. Ok. Bon. Allez, on va aller faire un petit tour avec le cheval. Lui, il va refaire du nectar. Ah mince, il faut que j'achète des pommes. Allez, hop, toi tu vas travailler. Et nous, on va partir avec le cheval. Faire une promenade dynamique. Oh, attendez, là je sens que ça va être un fiasco. Tondeuse de pelouse en prénom pas ouf, je l'avais pas compris. Harry, tu suis pas, hein. Tu suis rien du tout. Hein. Bon.
Je pense alpaga. Je pense. Attention. Ok. Elle a l'air tellement si peu confiante sur le cheval. Oh, attendez, je peux m'entraîner là. S'entraîner avec des tonneaux. Bah, une fois qu'ils auront fait ça, ils iront s'entraîner. J'aime trop la ville par contre. Dans cette ville, j'ai vraiment l'impression d'être dans un monde ouvert. Je sais pas pourquoi, avec les autres, j'ai pas du tout cette impression. Alors désormais, Pile-Poil se fatiguera moins lorsqu'elle interagira avec des tonneaux ou franchira des obstacles pour chevaux. Sacha peut désormais faire une promenade à cheval intense, choisir d'aller au petit galop lorsqu'elle monte à cheval. Ok. Ok, let's go. Arrête de faire le grand écart, serre les gens, tu es pas en train de faire le grand écart. Mais je pense que, tu vois, Sacha, elle a un peu du mal, quoi. Oh, attendez, c'est quoi ça? Ah, chercher des grenouilles. Ah, ici, on peut venir chercher des grenouilles, si besoin. C'est pas mal. Alors, attendez, lui, il en est où? Mais alors, lui, il va passer son temps à jouer. Fabriquer du nectar. Acheter des ingrédients. On va refaire du nectar de pomme. C'est parti. Allez, hop, tu vas faire du nectar. Je vais m'endormir. C'est vrai, Jean-Loup, bah merci. Mes lives vous endorment. Ah non, je m'en vais dormir, pardon. J'ai cru que je vais m'endormir. Des bisous, Jean-Loup. Bonne nuit. Repose-toi bien. Merci d'être passé. Surtout quand le cheval donne un coup derrière. Ouais, c'est vrai. Bah voyez, ça c'est typiquement le décor Far West, quoi. On pourrait avoir sur ACNH. Ceci est une Sims très rassurée. J'y vais... Attends, non, j'ai eu une journée compliquée, j'y vais par nécessité. J'aimerais mieux rester... Ah oui, tu vas... je croyais que tu disais que t'allais au travail... Mais repose-toi bien en tout cas, Jean-Loup. Repose-toi bien, puis surtout quand on passe une journée compliquée, voilà. Je comprends. Ok, bon maintenant elle va aller s'entraîner avec les tonneaux. Lui, il fait encore du nectar, donc on est bien. Attendez, il y a un inconnu. Bon bah plus tard, on parlera. Je comprends pas pourquoi il donne des coups de cucu comme ça en permanence. Jamais un cheval fait ça. Mais parce qu'il est pas dressé encore, Alpaga. Il a vraiment aucune compétence, le cheval, pour l'instant. Et j'ai l'impression qu'il faut quand même que le cheval soit dans un bon état pour qu'il soit en forme, on va dire. C'est ça, les Sims Westalia. Ah, il est pas débourré. Ça veut dire quoi, débourré? Je suis nulle en jargon de cheval. J'ai jamais fait de cheval de ma vie. Enfin, j'en ai fait, mais en balade, quoi. Je veux dire, j'ai jamais monté. Okay. Ah. Et lui, qu'est-ce qu'il dit avec son nectar? C'est bien, c'est bien. Alors attendez, on va acheter encore des pommes et il va refaire du nectar après. Mince, je pourrais pas. On va attendre qu'il termine. Oui, c'est encore la musique. Non mais Harry, c'est la seule chanson que j'ai trouvée. C'est la seule chanson. Oh, putain. Du coup, c'était long là aujourd'hui, Jean-Loup. Hello, petit rappel pour le centre équestre. Tout enfant est ouvert de 7h à 19h. Si le centre est fermé, revenez demain. Oh, attendez. Je crois que le centre équestre, du coup, c'est ça. Et vous voyez, du coup, on peut participer à un concours. Regarder des concours, vendre un cheval, acheter un cheval, secourir un cheval. Et ensuite, on peut assister à des cours de dressage pour dresser le cheval. Ah, débourrer, c'est un jeu, pardon. J'avais pas compris. Débourrer, c'est quand on habitue un jeune cheval et un cheval sauvage à la selle. Ah. Au port du filet, du poids de personnes à dos, les premières séances peuvent être assez drôles. Mais du coup, est-ce que le cheval a un peu cette réaction, Alpaga? Et toi, on t'a dit, tu vas fabriquer du nectar. Voilà. Merci. Il nous reste que 270$ en poche, donc ça va être un peu compliqué, quoi.
Bon, allez, hop, go rentrer à la maison. Trotter ici. Allez. Sans sauvage, c'est beaucoup plus violent. Ouais, en fait, c'est... D'accord, je comprends. Il faut l'habituer, du coup, à l'homme et au fait d'être monté. Donc, indiquer au cheval d'aller manger. Indiquer au cheval d'aller boire. Tintintin. Oh, pardon, excusez-moi. Tintintin. Où est-ce qu'elle va? Coucou Lady, coucou Fiona aussi, comment ça va? Oui, ça, ce que vous voyez, c'est notre sim sur le cheval, hein. Vraiment, attendez. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Je suis vraiment trop fan de ce pack. Tu sais, se douche dans les jus, tout va bien, c'est ça. Mais il en a même pas marre, hein. Il a passé sa journée à faire du nectar en plein soleil, mais je crois qu'il a l'air de plutôt bien le vivre. La tête de la confiance absolue, exactement. Ceci est une femme confiante. Par contre, après, on va l'appeler pour aller manger et on va descendre. On va peut-être pas rester sur son dos. Et on va aller faire pipi aussi. Je sens qu'elle va se faire pipi dessus. Ça va bien et toi? Oui, ça va Fiona, trop contente de reprendre un peu les Sims là sur la chaîne. Ça me fait trop trop plaisir en tout cas. Et comment ça va Lady? J'espère que ta petite journée s'est bien passée en tout cas. Ouais, j'aime trop Lady, je suis beaucoup trop fan, vraiment. Donc là, on fait un petit let's play tranquille ce soir avec Mike et Sacha, qui sont du coup frères et sœurs, et qui habitent tous les deux dans cette charmante demeure. Donc lui, Mike, s'occupe principalement du nectar, et Sacha s'occupe du cheval, que l'on a appelé Pile-Poil, petite ref à Toy Story, du coup. Voilà, Mike. Hop. Allez, après cette journée de dur labeur, Mike, tu vas pouvoir aller te doucher. Prendre une douche. Bon, par contre, ce serait chouette qu'elle descende du cheval, non? Voilà, pour aller aux toilettes. Non, je peux pas descendre. Ah, voilà. C'est trop cool. Et Lady, tu l'as pris ce pack ou pas encore? Oh, j'aime trop Pile-Poil, trop chaud. Ah oui, mais lui, du coup, il est en train de se doucher, ça va bloquer, là. Et ça va bien, Fiona. Je sais plus si je t'avais répondu, du coup, mais ça va très bien, merci. Tu joues un petit peu aux Sims aussi, Fiona? Oula, attendez, ils vont être gênés, là, non? Parce que du coup, j'ai pris quand même soin, là on le voit pas, mais de mettre une petite cloison entre les deux, parce que je me suis dit justement, s'il arrive cette situation, j'ai pas envie que mes Sims se soient gênés. Et merci Mélinouche pour le follow, bienvenue à toi, comment ça va? Belle, si tu cherches des musiques pas copyright, mais des douces lampes, je te conseille les sons Winter et quelques-uns. Alors attends, tu trouves sur Spotify ça, Harry, ou pas? Ok, lui il va dormir. Par contre, avant d'aller dormir, il a... Bon. Qu'est-ce qu'ils font? J'avoue, c'est pas très pratique cette échelle, mais j'avais pas d'autre choix, quoi. Ça va, j'ai ma dent cassée qui me fait terriblement mal. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous dans une semaine. Je déteste les dentistes. Lady, j'ai rendez-vous aussi bientôt, j'ai le dentiste. Je comprends tellement ta crainte. Je comprends. Mais bon, après, les dentistes, maintenant, font moins mal. Mais du coup, ta dent est cassée. Oui, je l'ai acheté, mais il faut que je prenne mon ordi au boulot ou chez ma grand-mère. Ah oui, pour le téléchargement, il y a 3 jours de chargement. Oui, je comprends, je comprends. Encore, celui-ci est allé quand même relativement vite. Je trouve qu'il s'est très très vite téléchargé, contrairement à certains packs qu'on peut avoir. Et pourtant, le contenu est insane, mais... Et coucou, Clochette! Ton cheval et ton Sims ont de bonnes compétences au centre équestre. Tu peux faire des concours, il faut payer au début. Oui! Du coup, bonnes compétences, tu peux gagner des Sims Flouz. Après, tout dépend des compétences. Ok! Du coup, ça peut être pas mal... Ça peut être vraiment pas mal pour avoir de l'argent, parce que là, ils ont...